Nous avons déjà appris comment tracer les structures de Lewis d'une molécule ou d'un ion polyatomique. Dans cette vidéo-ci, on va continuer à s'exercer à cela et en plus voir comment calculer les charges formelles de chaque atome pris dans une liaison. Et nous verrons que la structure de Lewis est un outil qui va vraiment nous simplifier la tâche. Juste un mot sur ces charges formelles. Ce ne sont ni des charges partielles, ces charges partielles sont réelles et sont dues à la différence d'électronégativité entre les deux atomes liés. L'un attire plus les électrons, va se retrouver avec une charge partielle de delta-. moins. Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus des charges réelles. Il s'agit juste d'un outil assez puissant qui va nous permettre de comprendre les mécanismes de réaction. Mais retiens que ces charges ne sont pas réelles. Prenons un exemple le NH4, ion ammonium. Première chose, on va tracer sa structure de Lewis. Alors la première étape, le nombre total d'électrons de valence. L'azote est ici dans le groupe 5, il a 5 électrons de valence. Et chaque hydrogène en a 1, donc ça fait 4. Ça fait un total de 9. Oui mais on a un ion polyatomique, NH4 ⁇ en défaut de 1 électron. Donc il n'a pas 9 mais 8 électrons de valence que nous devrons placer. Alors l'atome central, c'est le moins électronégatif sauf H. Bah, ça nous laisse uniquement l'azote, qui vient donc au centre et est lié aux quatre hydrogènes, comme ceci. Alors, on a placé 2, 4, 6, 8 électrons, 8 électrons de liaison. Bah, le contrat est rempli, on en avait 8 à placer. On peut encore vérifier que l'élément central est entouré d'au moins 8 électrons, c'est le cas. 4 liaisons fois 2 électrons. Il ne nous reste qu'à placer la charge de lion polyatomique avec des crochets. Et voici donc la structure de Lewis de l'ammonium. Alors, pour calculer la charge formelle d'un atome, on a une formule. D'abord, le nombre d'électrons de valence de l'atome seul, donc hors liaison. Ça s'appelle sa valence tout court. Et c'est le nombre d'électrons de valence qu'on trouve dans le tableau périodique. Et à ce nombre-là, on doit enlever le nombre d'électrons de valence de l'atome lié. Alors, comment trouver ce deuxième nombre On prend la molécule, on coupe chaque liaison en deux et on attribue un électron à chacun des atomes liés. Tu te souviens qu'une liaison covalente, c'est deux électrons mis en commun, donc on peut partager équitablement. On ne tient pas compte ici de la différence d'électronégativité. Souviens-toi qu'il s'agit vraiment d'un raisonnement théorique, en dehors de la réalité. Voyons ça pour l'azote. L'azote seul est dans le groupe 5, donc il a 5 électrons de valence. Et dans l'ammonium, on va couper chaque liaison en deux et l'azote reçoit à chaque fois un des électrons. Donc il en a ici 4. Sa charge formelle est de 5 moins 4, donc plus 1. Voyons maintenant l'hydrogène. S'il est seul, groupe 1, un seul électron de valence. Et s'il est dans l'ammonium, il en a aussi un. Je coupe une seule liaison et un électron lui est attribué. Sa charge formelle dans l'ammonium est donc 1 moins 1, c'est 0. Pas de charge formelle pour l'hydrogène. Donc finalement, cette charge réelle de plus 1 qui est portée par l'ion ammonium est formellement portée par l'azote. Voyons maintenant comment cela peut affecter la structure de Lewis d'une molécule. Prenons un deuxième exemple, l'acide sulfurique H2SO4. Commençons par tracer sa structure de Lewis. Donc il nous faut le nombre total d'électrons de valence. Alors l'hydrogène groupe 1, chaque hydrogène en a 1, ça fait 2. Le soufre, il est dans le groupe. 6, il en a 6. Et l'oxygène, lui aussi dans le groupe 6. Et il y a 4 oxygènes. Au total, on a donc 2 plus 6 plus 24. Ça fait 32 électrons de valence à placer. Cherchons maintenant l'élément central, le moins électronégatif entre l'oxygène et le soufre, puisque l'hydrogène ne peut pas être au centre. Alors l'électronégativité, elle croît de gauche à droite et de bas en haut. L'oxygène qui est au-dessus du soufre est donc plus électronégatif que le soufre. C'est donc le soufre qui vient au centre. Il est lié à quatre oxygènes comme ceci et on doit encore placer les deux hydrogènes. Alors ici, par expérience, on a affaire à un acide. Les hydrogènes vont donc être liés à des oxygènes et pas au soufre. On les met ici. Voilà, notre squelette est prêt et on a utilisé 2, 4, 6, 8, 10, 12 électrons pour le construire. Il en reste donc 32 moins 12, il en reste 20 à placer. On doit les placer sur les atomes terminaux, mais pas les hydrogènes évidemment, ils sont servis avec leurs deux électrons de liaison. Euh, Je n'ai pas besoin de te rappeler que l'hydrogène est dans la première période et ne peut donc accueillir que deux électrons. Hein la, la règle du duet s'est acquis à ce stade. Bon, alors on va placer ces électrons qui restent sur les oxygènes. Les oxygènes respectent la règle de l'octet, ils peuvent être entourés de 8 électrons. Alors, celui-ci n'a qu'une liaison, donc il a déjà 2 électrons autour de lui, on peut lui en donner 6, donc 3 doublets. Voilà. Pareil pour celui-ci. Alors, cet autre oxygène a déjà formé deux liaisons, il est donc entouré de 4 électrons. On ne peut lui en attribuer que 4. Donc deux doublets qui sont non liants. Et pareil pour son symétrique. Alors faisons les comptes. On a placé à cette étape 2 fois 6 plus 2 x 4, donc 12 plus 8 ça fait 20 électrons. Ah ben c'était le contrat. Il ne nous reste plus d'électrons. On va juste encore vérifier que chaque atome central a bien au moins un octet. Le soufre avec ses quatre liaisons est entouré de 8 électrons. C'est bon. Les oxygènes terminaux, eux aussi, ils ont leurs 8 électrons. Et les oxygènes intermédiaires, deux liaisons et deux doublés non liants, ça fait bien 8. L'hydrogène, lui, facile à satisfaire. Tant qu'il est dans une liaison, il a ses deux électrons. Tout semble aller pour le mieux avec cette structure. Passons aux charges formelles. Je vais représenter les électrons dans les liaisons, comme ça on pourra facilement les partager. Donc chaque liaison, c'est deux électrons. En ce qui concerne cet oxygène ici en haut. D'abord, sa valence du tableau périodique, on l'a dit et répété, c'est 6. Dans la molécule, pour calculer sa valence dans la molécule, on partage la liaison qu'il a avec le soufre. Et on compte, il a 2, 4, 6, 7 électrons de valence dans la molécule. Sa charge formelle, c'est donc sa valence moins sa valence dans la molécule, ça fait 6 moins 7 et donc moins 1. Il a une charge formelle de moins 1, exactement comme son symétrique ici. Alors voyons les deux autres oxygènes, celui de gauche ici. On partage les électrons de ces deux liaisons. Et au total, il a donc 1, 2, 4 et 6 électrons de valence dans la molécule. Ah ben c'est la même valence que quand il est seul. Donc lui, il n'a pas de charge formelle. Et c'est idem pour son jumeau ici de l'autre côté. Les hydrogènes, valence 1 tout seul. Un électron de valence dans la molécule. Donc pas de charge formelle non plus. Il reste le soufre. Et avant de calculer la charge formelle du soufre, as-tu une idée de ce qu'on va trouver La molécule est neutre électriquement. Donc si on a trouvé deux charges formelles de moins 1, on va sûrement trouver que le soufre a une charge formelle de plus 2. Vérifions ça. La valence du soufre seul, c'est 6. Et ici, dans la molécule, il reçoit... Il y a 4 liaisons qu'on partage. Donc il reçoit 4 fois un électron de liaison. 6 moins 4, ça fait bien plus 2. Mais en fait, les liaisons se créent de manière à minimiser le nombre de charges formelles. Ici, on a deux fois moins un et une fois plus deux, ça fait beaucoup de charges formelles. S'il y avait un autre moyen de lier ces atomes en ramenant ces charges formelles le plus près possible de zéro, alors cette nouvelle structure serait plus probable que celle-ci. Mais bon, on a déjà fait tout le travail pour la structure de Lewis on avait vérifié que chaque atome était bien entouré d'au moins un octet d'un duet pour l'hydrogène. Est-ce qu'on ne risque pas de détruire ce bel équilibre Non, pas si on est prudent. Souviens-toi, dans la vidéo précédente, on a transformé un doublet non liant d'un oxygène en doublet liant, et ça avait créé une liaison double. Mais ça n'avait pas affecté l'octet que l'oxygène possédait déjà. Que le doublet soit liant ou pas, il entoure toujours l'atome. Par contre, au niveau des charges formelles, un doublet non liant correspond à deux électrons attribués à l'atome qui le porte. Alors que si ce doublet devient liant, on va devoir partager ces deux électrons. Et du coup, cet atome-là portera un électron de moins. Voilà l'idée. Alors, notre oxygène ici, qui porte une charge formelle de moins 1, il a donc un électron en trop, le pauvre. Ben, on va prendre un de ces doublets non liants et le transformer en doublet liant. Ainsi, on va créer une liaison double avec le soufre. Et là, on voit bien que les deux électrons qui appartenaient entièrement à l'oxygène doivent maintenant être partagés entre l'oxygène et le soufre. On fait pareil avec l'autre oxygène. Alors je vais retracer la structure, on y verra plus clair. On a donc le soufre qui est désormais doublement lié à cet atome d'oxygène, cet oxygène qui n'a plus que deux doublets non liants, et pareil pour la liaison avec l'oxygène d'en bas. Le reste de la molécule n'a pas bougé, je le retrace comme avant. Par acquis de conscience, je vérifie quand même que l'oxygène est toujours entouré d'au moins un octet. Deux doublets non liants et deux doublets liants, ça fait huit qui l'entourent, c'est bon. Le soufre, lui, il est maintenant entouré de six liaisons, ça fait douze électrons qui l'entourent. Mais ce n'est pas un problème car le soufre est à la période 3, donc il peut être hypervalent. Et le reste n'a pas bougé. Donc pour la structure de Lewis, c'est bon. Maintenant, il nous reste à calculer les charges formelles. Pour l'oxygène d'en haut, on partage les deux liaisons qu'il a avec le soufre. Ça fait donc 1, 2, 4, 6 électrons de valence dans la molécule. Et sa valence, c'est 6. Charge formelle de 0. Ah ben, on s'approche. Pareil pour l'oxygène d'en bas. Et les autres n'avaient pas bougé. Donc, en toute logique, la charge formelle du soufre sera nulle, elle aussi. Vérifions. Si on partage les liaisons, on a entouré autour du soufre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Et sa valence, elle est de 6. Parfait. C'est donc cette structure-ci qui sera préférée pour l'acide sulfurique. À retenir ici, attention, la façon de compter les électrons qui entourent un atome dans une liaison. Si c'est pour tracer la structure de Lewis, ce n'est pas la même manière de compter que si c'est pour compter les électrons de valence afin de déterminer les charges formelles. Dans le premier cas, on compte tous les électrons qui sont sur l'entourage de l'atome les doublés liants et les doublets non liants en entier mais dans le second cas tous les doublés liants doivent être partagés entre l'atome et l'atome avec lequel il est lié et du coup on ne compte plus que les électrons qui sont immédiatement à côté de l'atome considéré